C'est donc l'information de la matinée, l'annonce de 3 nouveaux cas confirmés de coronavirus en France. Il s'agit de 3 hommes et l'un d'eux est décédé la nuit dernière à Paris. Les 2 autres personnes sont hospitalisées à Amiens et à Strasbourg. Florence Bouquilla. C'est ici, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'est décédé un patient hospitalisé dans un état critique cette nuit. Il s'agit d'un enseignant d'un collège de Crépy en Valois, dans l'Oise, atteint du coronavirus. Le 17e cas confirmé est un homme de 60 ans français qui a été testé en urgence hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et qui est malheureusement décédé dans la nuit. L'enquête a été lancée en urgence. Selon une source médicale, l'enseignant a d'abord été hospitalisé en réanimation pendant 6 jours à l'hôpital de Creil.